ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts du miséricordieux, il les tourne comme il veut. Et c'est pour ça qu'il répétait souvent cette dua, ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Là, tu aimes Allah et son messager. Qui te donne la garantie demain matin, tu ne te réveilles pas mécréant? Tu as cette garantie-là? Personne ne l'a. C'est pour ça que la personne, elle invoque Allah, qu'Allah raffermisse son cœur. Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes, il était mécréant, en une seconde, il est devenu croyant? N'est-ce pas? Il y a aussi des gens, ils sont croyants, en une seconde, il devient mécréant. Surtout vers la fin des temps. Dans les moments où les tentations et les troubles sont répandus et ils sont comme une nuit noire. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va y avoir des troubles aussi sombres que la nuit noire. Tu ne reconnais plus le bien, c'est trop trouble. La personne se réveille le matin croyant, il se couche le soir mécréant. Il se couche le soir le croyant, il se réveille le matin mécréant. Il vend sa religion pour un bien éphémère de ce bas monde. Pour un bien éphémère de ce bas monde. C'est pour ça, ikhwa, personne ne se sent à l'abri. Personne ne se sent en sécurité de la ruse d'Allah. Est-ce qu'ils se sentent en sécurité de la ruse d'Allah? Ne se sent en sécurité de la ruse d'Allah qu'une gente perdante, que des gens perdants. Ça a été rapporté par plusieurs salafs. Celle ce qu'ils craignaient le plus, c'était la ruse d'Allah. Ils craignaient de mourir à l'al-kufr. Quand Sufyan al-Thawri était sur le lit de mort, il pleurait tellement, un de ses élèves, il dit, tu dois avoir beaucoup de péchés si tu pleures tellement. Il a pris un bâton, il a dit, oh Allah, mes péchés pour Allah, c'est rien, c'est moins que ça. S'il veut, il les pardonne tous. Mais j'ai peur que la foi me soit enlevée de mon cœur avant de mourir. Il avait peur de la ruse d'Allah. Il avait peur de ne pas avoir été sincère tout ce temps-là. Et qu'en fait, Allah, tabaraka wa ta'ala, il lui a tendu la corde. Lui, il a rusé et Allah Ta'ala lui a préparé un stratagème. Et avant de mourir, la foi, elle sort de son cœur. Allahu Musta'an. Comme le hadith d'Ibn Mas'ud. Le hadith, il est terrible, ce hadith. La personne, elle fait les actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis une coudée. Son livre le devant, s'il fait un acte parmi les actes des gens de l'enfer, il y entre. Et la personne a fait les actes des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une coudée. Et c'est sa destinée, elle le devance, il fait les actes des gens du paradis, il meurt, il y entre. Ça, c'est la personne qui n'est pas sincère. Comme il est venu dans d'autres versions du hadith, il fait les actes des gens du paradis sur ce qui apparaît aux gens. Par rapport aux gens, il apparaît que c'est les actes des gens du paradis. Mais en réalité, comme il n'est pas sincère, il est en train de faire les actes des gens de l'enfer. Donc la personne craint Allah. Il craint qu'à cause du fait qu'il n'a pas corrigé son cœur, du fait qu'il n'a pas accompli la sincérité, du fait qu'il ait des maladies terribles et dangereuses dans son cœur, qu'à cause de ces maladies-là, il meurt sur autre que l'islam. C'est pour ça qu'Ibn Mas'ud il a dit, celui qui veut prendre modèle, qu'il prenne modèle sur ceux qui sont morts. Car le vivant n'est pas à l'abri de la fitna, n'est pas à l'abri de la tentation et de l'égarement. Al-qalb, le cœur, sa racine déjà en arabe, ça vient de taqallub, yataqallab, il change, c'est pour ça qu'il s'appelle qalb. Il se retourne d'un côté, de l'autre. Un matin, tu te réveilles, tu as le souci pour une maison. T'as ton cœur, il n'y a que la maison dans ton cœur. Tu vois plus rien. Maison, maison, maison. Un autre jour, ton souci, c'est une voiture. Un autre jour, ton souci, c'est l'argent. Un autre jour, ton souci, c'est les femmes. Un autre jour, ton souci, c'est kada.
comment les situations du cœur elles changent. Tu entends une bonne nouvelle, tu es heureux, tu penses à des bonnes choses. Une parole, une mauvaise nouvelle, ça y est, tu vois tout noir. Subhanallah, le cœur, comment il est? Et il y a la personne qui a son cœur attaché à Allah. Qui, même s'il agit dans ce monde, tout ce qu'il fait dans ce monde, c'est pour lui faciliter l'au-delà. Il voit ce monde-là que comme un moyen pour atteindre l'au-delà. Comme une monture qu'il a montée pour le faire arriver là où il doit arriver. Sans rien d'autre. Rien d'autre. Soit dans ce monde comme si tu étais un étranger ou un homme de passage. C'est-à-dire, ce qui est mieux, c'est que tu te sentes comme un homme de passage. Parce qu'un étranger, par exemple, dans une ville, il est étranger. Un étranger dans un pays, il est étranger, il construit, il vit, etc. Mais il sait qu'il est étranger, il sait qu'il ne va pas rester ici. Alors qu'un homme de passage, c'est encore pire. Il est juste de passage, il ne fait rien. Il prend les stricts nécessaires et il passe. Et c'est comme ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit cette ville-là à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Quand Omar, radiallahu anhu, est entré chez Hafsa, sa fille, et la femme, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et a trouvé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, allongé sur une natte en osier qui avait laissé des traces sur le flanc du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Omar a pleuré en voyant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, allongé sur quelque chose de si peu confortable, alors que c'est le messager d'Allah. Il a dit au messager d'Allah, les rois des Romains, les rois des Perses, ils dorment sur des lits en soie, etc. Et toi, tu es le messager d'Allah, tu dors sur ça. Qu'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, oh Omar, tu préférais que eux, ils aient l'au-delà et nous, on ait ce bas monde? Qu'en ai-je à faire de ce monde, ya Omar? Je ne suis dans ce monde que comme un cavalier qui s'est reposé à l'ombre d'un arbre, puis il s'est levé et il est parti. Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà comment un croyant il doit être.